Bonjour à tous, c'est Twin Chaos et aujourd'hui j'ai reçu un colis un peu spécial puisque ça fait un petit moment que j'attendais de commander cette petite bestiole qui est une merveille. J'espère que tout s'est bien passé pendant le trajet parce que en fait le livreur s'est garé en double file et a, disons, plus ou moins refusé que je vérifie ce qu'il y a dans le colis avant que je signe. Donc je stresse un petit peu, mais il n'y a pas de raison, c'est pas la première fois que je commande à la ferme tropicale et en général ça se passe toujours très bien. Donc je ne vous dis pas encore ce que c'est pour maintenir un petit peu le suspense. Mais vous allez voir, c'est une très jolie bestiole. Donc comme toujours à la ferme tropicale, hein, ils font des colis qui sont parfaitement bien agencés avec tout ce qu'il faut de sécurité et de protection. Et ça, c'est vraiment excellent. Moi, j'ai jamais eu rien à leur reprocher là-dessus. Bon, les frais de port sont un peu chers, mais bon, c'est du vivant, il faut ce qu'il faut. Et puis, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos chères petites bêtes? Alors, un indice qui va peut-être pas vous dire grand-chose maintenant, mais cette créature, cette petite bestiole est orange. Hop, je vais pas vous montrer ça pour pas vous donner trop d'indices. Donc on peut voir ici, là, il y a une chaufferette qui est bien dispensée, qui est encore chaude. Ouais, ça dissipe bien de la chaleur quand je mets la main derrière, en tout cas. Un deuxième indice. Il va avoir besoin de ça. Une Reptisense 5.0 qui n'a pas coûté ce prix-là en fait, puisque tout le matériel Zoomed est en promotion en ce moment sur la ferme tropicale. Mais donc cette petite créature va avoir besoin de ça, et je rappelle que c'est une créature orange. Et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps puisque je vois un truc qui est juste là. Ah, elle est vraiment minuscule. Oui, je dis elle. Très vite comprendre pourquoi. La voilà. Elle est magnifique. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une petite Hemidura subglobosa. Qui est en pleine forme apparemment. Je vais la sortir de là-dedans. Elle est vraiment minuscule, hein. Je m'attendais à quelque chose de petit, mais pas à ce point-là. Pas mal, moi j'aime bien les bestioles quand elles arrivent jeunes, c'est pas vraiment un problème selon moi, mais tout de même. Donc là voici, vraiment toute petite, 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 petite. Ah, j'ai peur de la casser. Et comme je disais, elle est orange. Elle est vraiment magnifique. Elle a de très jolies couleurs.
Elle est un peu toute patote parce que le voyage a pas dû lui faire beaucoup de bien, mais ça va s'arranger très vite puisque je vais la mettre dans le bac que j'ai prévu pour la maintenir jusqu'à mon déménagement. Oui, parce que je déménage bientôt. Et donc, il faut que je maintienne les bestioles un petit peu de manière spartiate en attendant. Mais bon, c'est pas très grave. Ils auront bien mieux une fois que je serai installé ailleurs. Donc voilà la petite merveille que je vais sans doute appeler Amy. Parce qu'il n'y a pas de raison. C'est une Emmydura subglobosa, encore une fois. C'est vraiment une très jolie espèce qui ne devient pas énorme, hein. Les femelles dépassent rarement les 20-25 cm. Les mâles dépassent quasiment jamais 25 cm. Dépassent jamais 20 cm. C'est une petite tortue tout à fait sympathique et je suis très content de l'avoir. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Et toi, abonne-toi!